Voilà, shalom, shalom, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse quelqu'un qui me prend en cours maintenant, que la faveur et la grâce de Dieu soient sur ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci de partager cette vidéo. Merci d'inviter quelqu'un à nous prendre en marche. Merci d'inviter quelqu'un à nous suivre. Nous sommes à Domination Optimale. Nous sommes à Opérons dans le surnaturel. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur ta vie. Toi qui te connectes maintenant, que Dieu te bénisse abondamment. Merci de partager cette vidéo. Merci de partager cette vidéo et merci d'inviter quelqu'un à nous suivre. Nous sommes en train de traiter notre thème, le sacrifice, c'est la deuxième partie. Nous bénissons le nom du Seigneur, Père, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce moment que tu nous donnes, que la chair se taise et que toi-même tu prennes contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen et Amen. Voilà, j'espère que quelqu'un m'entends bien, que la grâce et que la faveur de l'Éternel soient sur ta vie. Merci à tous ceux qui se connectent, que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage. Nous sommes en train de parler du sacrifice, du sacrifice. Nous avons abordé le sujet la semaine dernière. Je crois que ceux qui ont suivi, je pense que ça fait du bien à beaucoup de personnes. Et nous sommes en train de traiter la suite de ce thème. La définition que nous avons donnée quand nous avons parlé du sacrifice, je vais reprendre, récapituler comme j'ai l'habitude de le faire avant de poursuivre. Nous avons dit que le sacrifice, c'est rendre déjà quelque chose au sacré, rendre quelque chose au sacré. On a défini le sacrifice comme étant un effort volontaire dans un but religieux. On a défini le sacrifice comme étant une offrande à une divinité. On a défini le sacrifice comme immolation d'une victime. Immolation d'une victime. Voilà, je reprends la définition pendant que nous sommes en train de nous connecter. Je reprends la définition. Rendre quelque chose sacré, c'est un sacrifice. Effort volontaire dans un but religieux, c'est un sacrifice. Offrande à une divinité, c'est un sacrifice. Immolation d'une victime, c'est un sacrifice. Voici donc les définitions que nous avons eues à donner en ce qui concerne le thème, le mot sacrifice. D'accord? Nous avons aussi parlé des motivations derrière un sacrifice. Je résume rapidement. Les motivations derrière un sacrifice, nous en avons parlé. On avait dit, quelqu'un peut faire son sacrifice par reconnaissance. D'accord? Par reconnaissance. Quelqu'un peut faire un sacrifice pour déclencher l'action de Dieu, de sa divinité, la divinité qu'il prie. Et puis, quelqu'un peut faire aussi un sacrifice dans le but de renforcer son intimité. Renforcer son intimité, renforcer sa relation avec le Dieu qu'il prie. Amen. Est-ce que je peux voir les commentaires? Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les likes? Voilà. Est-ce que quelqu'un est connecté? Je ne vous sens pas. Voilà. Est-ce que je peux te sentir? Est-ce que je peux voir les commentaires? Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les likes? Voilà. Partage cette vidéo parce que mentionne le nom de quelqu'un pour amener cette personne à venir identifier quelqu'un. Voilà, c'est le thème exact. Identifier quelqu'un dans cette vidéo et puis cette personne viendra suivre avec nous. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder, quand nous finissons Domination Optimale, abonne-toi à la page Domination Optimale, de sorte qu'à tout moment que nous sommes en direct, cela te sera signalé. Ensuite, tu peux aller sur la page YouTube, Révérend Prophète Herman Kouadio, où vous allez retrouver tous les enseignements que nous donnons sur le surnaturel. Abonne-toi aussi à cette page. Donc, partage les vidéos de Domination Optimale, partage les vidéos depuis la page YouTube Révérend Prophète Herman Kouadio. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de nous prendre en marche maintenant. Nous abordons un autre élément de ce que nous avions expliqué la semaine dernière. Nous avons parlé des différents éléments qui constituent le sacrifice. On a dit, il y a la personne qui vient offrir le sacrifice. D'accord? Cette personne-là, c'est le sacrifiant. Selon les recherches qu'on a eu à faire après, cette personne s'appelle le sacrifiant. La personne qui vient offrir le sacrifice, c'est le sacrifiant. Nous avons le sacrifice en lui-même qui est offert. Nous avons la personne qui reçoit le sacrifice, qu'on appelle le sacrificateur. Et puis nous avons le Dieu auquel on apporte, on fait le sacrifice qui est la divinité.
Nous sommes dans le cadre du surnaturel. Donc, je reprends. Nous avons le sacrifiant, la personne qui vient offrir le sacrifice. Nous avons le sacrifice en lui-même. Nous avons le sacrificateur, la personne vers qui on envoie le sacrifice, qui est le sacrificateur. Et puis, nous avons la divinité. Donc, ça fait les quatre éléments. Et j'avais dit que nous allons étudier le thème, le sacrifice, en fonction de ces différents éléments, d'abord. Mais ensuite, nous allons lier cela aux définitions du surnaturel que nous avons. Aux différentes définitions du thème sacrifice que nous avons. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est bon? Donc, le sous-thème que nous allons traiter aujourd'hui, parce que nous partons maintenant sur la base de sous-thèmes, les différents éléments comme je viens de citer, le sous-thème que nous allons traiter aujourd'hui, nous allons parler du sacrifiant. Ça veut dire la personne qui offre, qui s'en va offrir le sacrifice à son Dieu. Je parle de toi. Je parle de moi. Je décide de faire un sacrifice à Dieu. Je suis le sacrifiant. Il faut qu'il y ait certaines dispositions dans lesquelles je me trouve afin que le sacrifice soit validé. Donc, il y a les différentes étapes. Il y a le sacrifiant, il y a le sacrifice en lui-même, il y a le sacrificateur, il y a Dieu. Donc, il y a ces quatre éléments qui doivent être bien compris étape par étape. Dès que ces éléments sont bien compris étape par étape, en ce moment-là, ton sacrifice peut prendre de la valeur. Le premier verset que nous allons lire, nous allons aller dans Hébreux chapitre 11, le verset 4. Quelqu'un écrit avec moi, Hébreux chapitre 11, le verset 4. Hébreux chapitre 11, le verset 4. C'est le premier verset que nous allons lire. Hébreux chapitre 11, le verset 4. Laissez-moi retrouver. Est-ce que quelqu'un peut marquer la référence? Hébreux chapitre 11, le verset 4. Nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est bon? Quelqu'un peut marquer la référence avant que nous ne commençons? Hébreux chapitre 11, le verset 4. Est-ce qu'on m'entend bien même? Ok, c'est bon. Je le signale le commentaire. Hébreux chapitre 11, verset 4. Voilà. Merci, prophétesse. C'est bon. Donc, je peux continuer. Hébreux chapitre 11, le verset 4. Il est écrit. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Je reprends, Hébreux chapitre 11, le verset 4 dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Ici, Hébreux, celui qui écrit le livre des Hébreux, est en train de mettre en comparaison deux sacrifices. D'accord? Est-ce qu'on me suit? On met en comparaison deux sacrifices. Le sacrifice de Caïn face au sacrifice d'Abel. Écoutez bien. Il dit, Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc, deux sacrifices sont offerts. D'accord? Le thème, c'est le sacrifice. Le thème général que nous sommes en train d'étudier, c'est le sacrifice. Deux sacrifices sont offerts. Celui qui écrit l'Épître aux Hébreux nous informe que des deux sacrifices offerts, il y a un sacrifice qui a été au-dessus d'un autre sacrifice. Il y a le sacrifice d'Abel qui a été déclaré plus excellent que le sacrifice de Caïn. Et nous nous rendons compte que il ne s'agissait pas de faire le sacrifice pour faire le sacrifice, mais au-delà de faire le sacrifice, il y a la valeur que les différents sacrifices ont eue. Quelle a été donc la différence? Quand nous lisons, il dit, c'est par la foi. On va repartir maintenant dans l'historique même, le passage originel de cette version, de ce qui se passe, de cette histoire. Donc, retenez en ce moment précis de quoi nous sommes en train de parler. Ok, merci prophétesse Elisha. Deux sacrifiants, effectivement,
nous avons Abel, nous avons Caïn. OK, donc vous comprenez la chose, on peut continuer. Donc, on a deux sacrifiants. On a Abel, on a Caïn. Mais le plus important pour le moment, avant d'en revenir aux sacrifiants, c'est que Hébreux nous informe que le sacrifice de Abel a été déclaré plus excellent que le sacrifice de Caïn. Qu'est-ce qui donc s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, nous voulons parler de ça. Nous sommes en train de parler du sacrifice. Donc, quelqu'un peut aller faire un sacrifice et puis son sacrifice ne sera pas déclaré excellent. Donc, il faut que ton sacrifice soit excellent. Retournons maintenant dans le contexte originel. Genèse, le chapitre 4. Nous repartons dans l'histoire. Genèse, chapitre 4. Donc, le passage de Hébreux que nous avons pris, ce passage-là a été utilisé pour nous montrer qu'il y a un sacrifice qui est plus grand qu'un autre sacrifice. D'accord? Il y a un sacrifice qui a pesé devant Dieu plus qu'un autre sacrifice. Retournons maintenant dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Verset 3. Au bout de quelque temps, écoutez bien, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Regardez bien. Au bout de quelque temps, les deux sont nés, les deux fils ont grandi. Quand nous lisons le passage, la première personne à avoir fait une offrande à l'Éternel, c'est Caïn. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Donc, Caïn a été volontaire. Caïn a été le premier à se lever et à décider de faire une offrande à l'Éternel. Hébreux, chapitre 11, nous explique que, en fait, là où c'est écrit offrande dans le livre de la Genèse, Hébreux, chapitre 11, nous montre que, en fait, c'est un sacrifice. Est-ce qu'on se comprend? Là où Hébreux dit offrande, et plutôt Genèse dit offrande, Hébreux, chapitre 11, nous informe qu'au-delà de l'aspect offrande, c'était un sacrifice. Donc, Caïn s'est levé le premier et Caïn a allé faire un sacrifice à l'Éternel. Hébreux nous a expliqué que le sacrifice de Abel était au-dessus, était plus excellent que le sacrifice de Caïn. Nous voulons savoir pourquoi c'était le cas. Quand nous revenons maintenant dans le livre de la Genèse, il nous est mentionné que l'Éternel a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. En d'autres termes, sur Abel et sur son sacrifice. Nous lisons, hein, Caïn a été le premier à faire son sacrifice à l'Éternel, les fruits de la terre. Ensuite, Abel, de son côté, est venu faire aussi son sacrifice. Mais la différence, c'est que l'Éternel a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ensuite, l'histoire nous montre que le regard n'a pas été favorable en ce qui concerne Caïn. Donc, nous revenons au point de départ. Nous avons deux sacrifices. Un sacrifice excellent et l'autre qui n'est pas excellent. Genèse nous informe qu'il s'agissait des prémices. Donc, les prémices sont des sacrifices. Les offrandes faites à l'Éternel Dieu sont des sacrifices. En temps normal, je vous l'ai dit avant de continuer, tout ce que tu donnes à Dieu rentre dans le cadre du sacrifice, offrande à une divinité. Ça fait partie des définitions. Toute offrande que tu fais à Dieu dans la maison du Seigneur rentre dans le cadre du sacrifice. OK? Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on a défini sacrifice comme étant offrande à une divinité. Bien. Donc, quand nous lisons ce passage, nous nous rendons compte qu'un sacrifice n'a pas eu de la valeur. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'a pas porté un regard favorable sur le sacrifiant. Sur le sacrifiant, l'Éternel n'a pas porté un regard favorable. C'est pour ça que je dis, avant d'aller parler du sacrifice lui-même, parlons maintenant de la personne qui donne le sacrifice.
Parlons donc du sacrifiant. C'est très important. Beaucoup de personnes sont dans nos églises, payent leurs dîmes, font leurs offrandes d'action de grâce, font des offrandes en général, font des sacrifices, mais l'Éternel ne valide pas le sacrifice. Pourquoi? L'Éternel ne valide pas le sacrifice parce que l'Éternel ne porte pas un regard favorable sur le sacrifiant. Beaucoup de personnes ont pensé qu'il s'agit juste d'aller déposer quelque chose dans le panier. Il s'agit juste d'aller déposer quelque chose chez l'homme de Dieu. Non. Avant même d'arriver à la phase déposer quelque chose, il faut que toi, en tant que sacrifiant, tu sois dans certaines dispositions. Et c'est de ça que nous allons parler. Donc, quand nous lisons le passage, malgré que Caïn fut le premier à aller donner à Dieu, Dieu n'a pas porté un regard favorable sur la personne de Caïn. Du coup, l'offrande ou le sacrifice de Caïn n'intéresse pas Dieu. Je vais donner un exemple terre à terre. Il y a des personnes qui sont autour de toi. Même si tu es en train de mourir, tu ne vas pas les appeler pour leur demander de l'argent. Pourquoi? Parce que la relation entre toi et ces personnes-là est de sorte que tu préfères mourir que de lui demander. Tu préfères mourir que de prendre son argent. C'est la même chose avec le Seigneur. Si je n'approuve pas quelqu'un, son argent ne m'intéresse pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'Église? Dis avec moi le sacrifiant. Dis avec moi le sacrifiant. Nous sommes en train de parler du sacrifiant. Avant même d'aller déposer quelque chose, il faut que tu sois à mesure de respecter certains critères. Si Dieu ne porte pas un regard favorable sur ta personne, ton offrande ne l'intéresse pas. Ton sacrifice ne l'intéresse pas. Nous allons lire des versets qui confirment ce que nous sommes en train de dire. Mais avant cela, comme je le disais tout à l'heure, imagine-toi que tu as affaire à quelqu'un qui ne te convient pas, qui ne te plaît pas, quelqu'un que tu ne supportes pas, tu préfères ne pas prendre son argent. Tu préfères ne pas prendre son argent. Est-ce qu'on se comprend? Nous allons lire des versets qui confirme ce que nous sommes en train de dire. Prends ta Bible, nous lisons Amos le chapitre 4, Amos chapitre 4, verset 4 au verset 6. Amos chapitre 4, verset 4 au verset 6. Donc, vous allez vous rendre compte que dans l'église, beaucoup de personnes se plaignent. Oh, je donne, je ne vois rien. Oh, je fais ceci, je paye ma dîme, mais tout est bloqué. Je fais ceci, rien ne va. Je bouge ici, je bouge ici. Tu te plains, mais pose-toi la question. Est-ce que tu n'es pas dans le statut de Caïn? Est-ce que tu n'es pas dans le statut de Caïn? Ou bien est-ce que tu es dans le statut de Abel? Alléluia. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut seulement donner. Ah non! Je suis désolé, parce que nous sommes en train de faire une invocation dans le sacrifice. Nous sommes dans le monde des dieux, nous sommes dans le surnaturel. Ça veut dire que ton sacrifice va déplacer Dieu l'Éternel vers toi. Comme je vous dis, quand on parle de divinité, moi je prie le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. C'est lui que moi je prie. D'accord? Donc ton sacrifice est censé attirer Dieu. Mais je ne viendrai pas chez toi, quel que soit ce que tu m'offres, si toi et moi ça ne passe pas. Amos chapitre 4. Amos chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 4. Est-ce que l'enseignement fait du bien à quelqu'un? Est-ce que l'enseignement fait du bien à quelqu'un? Amos chapitre 4, nous lisons à partir du verset 4. Il est écrit: allez à Bethel, c'est Dieu qui parle, et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, je vais vous envoyer la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé plutôt. Donc, Dieu s'adresse à un peuple. Dans le livre de Amos, il dit: faites ce que vous voulez. Péchez, allez à Gilgal, péchez encore davantage. Et puis regardez, il va dire: offrez vos sacrifices chaque matin. Il parle à des sacrifiants. L'Éternel est en train de parler à des sacrifiants. Il leur dit: offrez vos sacrifices chaque matin. Payez vos dîmes tous les trois jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous les sacrifiants, c'est ce que vous aimez.
Vous pensez qu'il suffit juste de faire des sacrifices. Il dit, je vous ai envoyé la famine malgré tout ce que tu as fait. Ils ont fait des sacrifices matin et soir. Ils ont payé leur dîme. Le verset est clair. Ils ont payé leur dîme tous les trois jours. Le verset dit quoi? Ils ont fait des sacrifices d'action de grâce. Ils ont fait des offrandes volontaires. Malgré cela, la Bible dit, je vous ai envoyé la famine dans vos villes. Donc, il y a des personnes qui sont dans ce cas-là. Je fais mon action de grâce chaque mois. Je paye ma dîme, je fais mes offrandes volontaires, je fais ceci. Mais la Bible dit, j'ai envoyé dans vos villes la famine. J'ai envoyé le manque de pain dans vos demeures. Pourquoi est-ce que leur sacrifice d'action de grâce n'a pas attiré la faveur? Mais la famine était dans leur maison. L'Éternel dit, malgré que j'ai fait cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Donc, voici des sacrifiants qui sont loin de l'Éternel. Voici des sacrifiants qui vivent loin de la parole de l'Éternel, mais qui sont en train de sacrifier seulement. Église, avant de faire tes sacrifices, assure-toi que tu es un bon sacrifiant. Dis avec moi, bon sacrifiant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, bon sacrifiant. Alléluia. Quel type de sacrifiant tu es? Je ne veux pas dire à quelqu'un, donne, donne. Vous voyez, souvent, on fait cette erreur. Comme je suis dans le cadre du surnaturel, c'est pour ça que je précise. Parce que le surnaturel a pour but d'attirer la présence de Dieu. On a toujours pensé que paye ta dîme. J'ai entendu souvent des gens dire, oh, il y a des dealers qui payent leur dîme et puis Dieu les bénit. J'ai entendu des gens dire, oh, il est prostitué, il n'est pas chrétien, il suffit qu'il paye sa dîme et Dieu le bénit. Quand moi je me lis ma Bible, je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que je peux parler à l'église? Le sacrifiant que tu es, il dit, voici des gens, je peux reprendre le passage, hein? Je peux reprendre. La Bible dit, Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn. Hébreu nous explique, le sacrifice de Caïn n'a pas été validé. D'accord? Donc, il ne s'agit pas de faire un sacrifice pour faire un sacrifice. Il faut que ton sacrifice, avant que tu ne viennes faire ton sacrifice, est-ce que tu es un bon sacrifiant? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es un bon sacrifiant? Est-ce que tu es un bon sacrifiant? Voici la question. Il ne s'agit pas de donner. Ta dîme n'intéresse pas Dieu si tu n'es pas un bon sacrifiant. Tes offrandes d'action de grâce n'intéressent pas Dieu si tu n'es pas un bon sacrifiant. Je peux relire le passage. Hein? Je veux insister dessus. Il dit, faites vos sacrifices. Non, 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 avant ça. Allez à Gilgal, péchez, péchez. Ce sont des gens qui vivent dans le péché. Offrez vos sacrifices chaque matin. Payez vos dîmes tous les trois jours. Verset 5. Faites vos sacrifices d'action de grâce. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires. Car c'est là ce que vous aimez, peuple d'Israël. C'est là ce que vous aimez, vous les chrétiens. Oh, j'ai fait don à ceci. Oh, c'est moi qui ai payé les appareils de l'église. Oh, c'est moi qui ai acheté la voiture du pasteur. Oh, c'est moi qui paye sa maison. Oh, c'est moi qui paye son électricité. C'est moi qui nourris sa famille. C'est moi qui paye le temple. C'est moi qui fais ceci. Publie tes offrandes. Fais tout ce que tu veux. Mais, il dit, je vous ai envoyé la famine. Si tu te rends compte que tu fais tes dîmes, tu payes tes offrandes, tu fais tout. On va suivre, c'est un processus, on aura le point, on va parler d'autres choses. Si tu te rends compte que tu fais tous ces éléments et que quelque chose cloche et que tu as la famine et que tu es dans le désert, demande-toi, suis-je un bon sacrifiant? Il dit, malgré que je vous ai envoyé la famine, vous n'êtes pas revenu à moi. Ça veut dire que ton sacrifice n'intéresse pas parce que tu n'es pas revenu à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut continuer? Osée, le chapitre 6, verset 6. Osée, chapitre 6, verset 6. Marque avec moi. Parce que je ne veux pas dire à quelqu'un, donne, sacrifie, donne un milliard, Dieu va te bénir. Tu as entendu tellement. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont plus prêtes à donner. Pourquoi? Parce qu'on a donné et puis Dieu n'a pas béni. Est-ce qu'on peut être concret? On a offert et puis Dieu n'a pas donné, Dieu n'a pas béni. On a fait des sacrifices et puis Dieu n'a pas approuvé, rien ne s'est passé. Généralement, on accuse l'homme de Dieu. On parlera du sacrificateur plus tard. Généralement, on accuse la servante de Dieu, on accuse le prophète, on accuse la prophétesse. Oh, j'ai donné, il n'a pas prié pour moi. Non, le sacrifiant d'abord
avant d'arriver au sacrificateur. On parlera du sacrificateur. C'est pour ça que je vous ai dit tous les éléments qu'on va voir. Si chacun a validé chaque étape, tu verras comment ton sacrifice va produire. Mais si le premier élément est raté, ton sacrifice n'a pas d'effet. Est-ce que tu es un bon sacrifiant? Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Ce n'est pas le pasteur. Il y en a même qui trouvent que l'église, là, c'est une terre sèche. On aura le temps de parler de ça. Mais avant d'aller accuser l'église où tu payes ta dîme, avant d'accuser l'homme de Dieu ou la servante de Dieu où tu payes ta dîme, pose-toi la question. Suis-je un bon sacrifiant? Alléluia. Osée, le chapitre 6, le verset 6. Bien, il est écrit. Car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu dit, j'aime la piété plus que les sacrifices. J'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Beaucoup de personnes ont pensé que Dieu, on peut le marmailler, quoi. C'est-à-dire, on peut blaguer Dieu. Il suffit de lui donner l'argent et puis Dieu te valide. Il suffit de faire des offrandes. Non, hein. Est-ce que tu es un bon sacrifiant? Dieu n'a pas porté, c'était les prémices, les deux premiers sacrifiants de la surface de la terre, du monde mondial. Les deux premiers sacrifiants, il y a un que Dieu n'a pas approuvé. Pourquoi? La Bible dit, Genèse, que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son sacrifice. Mais Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn. Par conséquent, le regard n'est pas favorable sur le sacrifice. Hébreux nous explique donc que le sacrifice d'Abel a été plus excellent que le sacrifice de Caïn. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un bon sacrifiant. Avant d'accuser l'homme de Dieu, pose-toi la question, suis-je un bon sacrifiant? Je prends Osée chapitre 6, verset 6 dans une autre version. Il est écrit, oui, je désire l'amour et non le sacrifice des animaux. Je veux qu'on me reconnaisse comme Dieu plutôt que de brûler des animaux sur l'autel. Dans une autre version, parole de vie. Hébreux, Osée chapitre 6, le verset 6, dans parole de vie, il est écrit, oui, je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. Et regardez la suite du verset, il dit, je veux qu'on me reconnaisse comme Dieu plutôt que de brûler des animaux sur l'autel. Reconnais-moi d'abord qui je suis d'abord pour toi. Si vous vous souvenez, j'ai parlé de ça la semaine dernière en disant intimité avec Dieu. Il faut que le sacrifiant que tu aies une intimité avec Dieu. Et c'est pour ça que je m'inscris en faux quand quelqu'un dit, c'est un dealer, un vendeur de drogue, il paye sa dîme et puis Dieu le bénit. Moi, personnellement, en tout cas, je m'inscris en faux. Parce que c'est quel Dieu qui te bénit? C'est quel Dieu? Quel est ce Dieu-là qui te bénit, toi qui es un vendeur de drogue? Quel est ce Dieu-là qui te bénit? C'est quel Dieu? Parce qu'on parle d'invocation. C'est le Dieu qui pouvoir que Abraham a rencontré. C'est lui qui descend maintenant sur pour venir valider ton offrande alors que tu es un mauvais sacrifiant. Moi, personnellement, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que tu dois être pur ou bien sans péché. Dieu dit, il n'y a pas de juste sur la terre. Je suis en train de parler. Il dit, je veux qu'on me reconnaisse comme Dieu. Si tu le reconnais comme Dieu, il y a une certaine manière de te comporter. Romains dit, le péché est dans moi, ça on n'y peut rien. Mais si tu le reconnais comme Dieu, il y a certaines manières dont tu agis. À partir de là maintenant, tu peux venir faire un sacrifice. On dit, offrir à une divinité. Mais tu ne me reconnais pas comme ton Dieu. Tu viens me donner, je ne prends pas. C'est comme moi, je suis pasteur. Quelqu'un arrive et puis dit, je suis venu te payer ma dîme. Mais tu ne me reconnais pas comme ton père spirituel. Je ne prends pas ta dîme. En tout cas, si un homme de Dieu veut être honnête, on parlera du sacrificateur. Je ne peux pas prendre la dîme de quelqu'un qui ne me reconnaît pas comme son père spirituel. Je ne prends pas ta dîme, ça ne m'intéresse pas. Donc, il dit, c'est pour ça que j'ai pris une autre version de Osée chapitre 6. Il dit, je veux qu'on me reconnaisse comme Dieu plutôt que de brûler des animaux sur l'autel. D'abord, reconnais-moi comme Dieu. D'abord. Accepte Jésus. Nous sommes dans le surnaturel, nous sommes à domination optimale. J'ai toujours dit domination optimale, c'est pour les chrétiens. J'ai toujours dit le surnaturel, c'est pour les chrétiens. Donc d'abord, reconnais-le comme Dieu avant de venir. Donc quel type de sacrifiant tu es?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est ta relation avec la divinité? Donc, ce n'est pas d'abord le sacrifice. Avant d'arriver au sacrifice, parce que c'est ce que nous allons toucher à partir de la semaine prochaine, avant d'arriver au sacrifice, on parle d'abord du sacrifiant que tu es. C'est pour ça que des personnes ne sont pas bénies. C'est pour ça que des personnes ne voient pas. Parce que ton invocation ne marche pas. Le Dieu ne descend pas. Regardez, la Bible dit, les prophètes de Baal ont crié, Baal, Baal, Baal. Lorsque Élie est venu crier, le feu est descendu du ciel. Pourquoi? Parce que Élie était en de bons termes avec l'éternel Dieu. Élie était en de bons termes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Si ça te fait du bien, fais-moi signe pour que je puisse continuer. Je veux voir les partages, je veux voir les cœurs, si ça te fait du bien. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux avancer? Donc, nous sommes dans le sacrifice. Parce que je ne souhaite pas que quelqu'un fasse son sacrifice et que la personne vienne me dire, j'ai fait mon sacrifice, je n'ai rien vu. Non, non, non. C'est pour ça que je vais enseigner chaque détail du sacrifice. Je ne parle pas de sainteté. Non, nul ne peut être saint. Je parle de reconnaître Dieu comme ton Dieu, de le reconnaître. Il dit, je veux qu'on me reconnaisse comme Dieu. Il y a d'autres éléments que je vais citer tout à l'heure. Donc, c'est le premier point. Ton sacrifice va avoir de la valeur à condition que tu sois un bon sacrifiant. Alors, je pose la question à quelqu'un qui me regarde. Es-tu un bon sacrifiant? Voici la question. Alléluia. Le bon sacrifiant, comme je le disais tout à l'heure, je tiens à préciser, ce n'est pas forcément sanctifié à 800%. Non, 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 non. Mais c'est l'attitude que tu as vis-à-vis de ton Dieu. Le respect que tu as, la révérence que tu as vis-à-vis de ton Dieu, le crédit que tu accordes à ton Dieu. Ça, c'est le premier élément. Je veux qu'on me reconnaisse comme Dieu. C'est d'abord ça. D'accord? Reconnais-moi d'abord, avant qu'on ne parle de sacrifice. Et comme je disais tout à l'heure, c'est comme souvent, pourquoi on reproche certaines choses à certaines filles? On dit, mais le monsieur là, tu ne l'aimes pas. Pourquoi tu prends son argent? C'est pas ce qu'on dit? On dit tu ne l'aimes pas. Il n'y a rien de vous. Toi-même, tu dis que tu ne l'aimes pas. Mais pourquoi tu prends son argent? Ça veut dire que si tu l'aimes, que tu prends son argent, il n'y a plus de problème. Est-ce qu'on se comprend même? Je ne sais pas si cet exemple a fait du bien à quelqu'un. On va reprocher à une fille, mais tu es matérialiste. Pourquoi on lui dit tu es matérialiste? Tu es matérialiste parce que le monsieur là, tu ne ressens rien pour lui et puis tu prends son argent. Donc, tu es mauvaise. Si le monsieur en question sait que tu ne ressens rien pour lui, il ne te donne plus son argent. D'accord? Mais si tu aimes un homme, que tu prends son argent, personne ne te dira que tu es mauvais. Donc, ça veut dire qu'avant même que l'argent n'arrive, il faut qu'il y ait une bonne relation entre vous deux. Je veux qu'on me reconnaisse comme Dieu. Je veux qu'on me reconnaisse comme Dieu. Est-ce que quelqu'un entend la voix de la divinité auquel nous appartenons? Parce que nous parlons du Dieu de la Bible. Alléluia. C'est Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, que moi j'enseigne. Moi, mon surnaturel, là, c'est le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël. Je ne sais pas pour les autres. Donc, comme c'est pour ça que quand je parle du surnaturel, je dis souvent divinité. Parce que tout le monde n'a pas la même divinité. Moi, Herman Kwadio, c'est le Dieu d'Israël que j'ai choisi. Invocation, le monde des dieux. Moi, le Dieu que moi j'invoque, ou bien les dieux que moi j'invoque, quand on rentre dans le monde des dieux, tous les dieux que j'invoque là sont dans la Bible. Ce sont les dieux de la Bible que j'invoque. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Ce sont les dieux de la Bible que moi j'invoque. Le Dieu d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il veut que tu le connaisses d'abord. Il faut le connaître avant de passer au sacrifice. On va lire un autre verset. Donc, c'est le premier point, marqué premier élément pour être un bon sacrifiant. Premier élément, il faut d'abord connaître le Dieu avec qui tu collabores, c'est-à-dire le Dieu de la Bible. On va lire un autre verset. Lévitique, chapitre 19, le verset 5. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Amen, 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 amen. Je peux continuer, je peux continuer, je peux continuer. Lévitique, chapitre 19, on va lire le verset 5. Quelqu'un écrit avec moi, Lévitique, chapitre 19, le verset 5. Il fallait qu'on passe l'étape du sacrifiant avant d'aller au sacrifice. J'espère que ça te fait du bien et que ça ne te dérange pas. J'espère que ça te fait du bien. Amen, amen, amen. Yes. Lévitique, chapitre 19, nous lisons le verset 5. Il est écrit. Lévitique, chapitre 19, verset 5. Il est écrit. Je peux voir la référence, s'il vous plaît, pour voir si on me suit. Je sais qu'il y a un léger décalage.
Mais je vais voir Lévitique chapitre 19, verset 5. Bien, ok, je peux continuer. C'est ma sortie. Quand vous offrez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. le sacrifice. Regardez bien. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, il dit, vous offrirez le sacrifice en sorte que le sacrifice soit agréé. Ça veut dire que il y a la possibilité que le sacrifice ne soit pas agréé. Je parle à quelqu'un. Il y a la possibilité que le sacrifice ne soit pas agréé. Donc, il dit, quand vous offrez le sacrifice, assurez-vous que le sacrifice soit agréé. Donc, je vais maintenant glisser pour vous parler des différentes étapes pour qu'un sacrifice soit agréé. Alléluia. Les différentes étapes pour qu'un sacrifice soit agréé. Bien, allons-y. Le premier élément, d'accord? Je suis toujours dans la peau du sacrifiant. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Donc, je suis sacrifiant. Je vais chercher à offrir un sacrifice. Amen. Je suis sacrifiant, je vais chercher à offrir un sacrifice à l'Éternel. Il dit, avant d'offrir le sacrifice, je dois m'assurer que le sacrifice soit agréé. D'accord? Je dois m'assurer que le sacrifice soit agréé. OK. Donc, les éléments qui vont rentrer en ligne de compte pour que le sacrifice soit agréé, le premier point dans le sacrifice, il y a quelque chose qu'on appelle la mise à part. Écris avec moi, mise à part. Alléluia. Mise à part. L'élément que tu t'en vas offrir à Dieu, tu dois mettre d'abord l'élément à part avant le jour du sacrifice. Beaucoup de personnes commettent aussi cette erreur. Je suis en train de t'enseigner comment être un bon sacrifiant. L'élément que tu t'en vas offrir à Dieu, tu dois déjà sélectionner cet élément. On a dit rendre quelque chose sacré dans la définition du sacrifice. Rendre quelque chose sacré. Donc, on ne prend pas n'importe quel élément pour aller donner. Il faut que toi-même d'abord, avant d'aller d'apporter l'élément, il y a quelque chose on dit la mise à part. Donc, en tant que sacrifiant, il faut que tu apprennes à mettre à part ce que tu t'en vas donner. Le problème, c'est que beaucoup de personnes donnent des choses qui n'ont pas été mises à part. Ça ne compte pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi la mise à part. La mise à part. Donc, avant d'aller déposer quelque chose, avant d'aller déposer ta dîme, en tant que sacrifiant, apprends à partir de maintenant où je te parle à mettre ta dîme à part avant le jour du sacrifice. L'animal que vous voyez couché derrière moi, là, ce n'est pas le jour du sacrifice qu'on l'attrape pour venir. Non. Il faut d'abord apprendre à sélectionner son sacrifice. Il faut que, avant le jour du sacrifice, tu mettes quelque chose à part. Il y a beaucoup de personnes. Je reçois 1 000 euros comme argent. Ma dîme, c'est 100 euros. Il faut que je mette déjà les 100 euros là à part avant d'aller déposer. Mais il y a des personnes qui sont assises et puis c'est sur place là, dans leur sac, il s'en va déposer. Ça ne compte pas. Je suis en train de t'enseigner comment devenir un bon sacrifiant. D'accord? J'ai dit premier point, le bon sacrifiant, c'est la relation, connaître ton Dieu, connaître la Bible, connaître Dieu. Premier élément. Deuxième élément, il faut que tu apprennes à mettre à part ce que tu t'en vas sacrifier. Ce n'est pas le jour du sacrifice. On soulève. Regardez dans nos églises. Hein. Je vous ai dit, quand on a parlé d'offrande, tout ce que on donne à Dieu rentre dans le cadre du sacrifice. En tout cas, en ce qui concerne le surnaturel. La définition, c'est offrande à une divinité. Donc, tout ce que tu donnes à Dieu, c'est un sacrifice. Mais regardez, souvent, on occulte, on dit c'est l'heure de l'offrande. C'est maintenant quelqu'un prend son sac, il regarde dedans et puis ça va déposer. Tu es un mauvais sacrifiant. Tu es un très mauvais sacrifiant. Ça ne produit pas. Ce sacrifice n'a pas été validé. Pourquoi?
Parce qu'avant d'arriver là-bas, il y a la mise à l'écart. À partir d'aujourd'hui, je veux mettre ça dans ton esprit. Pour que tu sois un bon sacrifiant, mets à l'écart ce que tu vas aller donner. Rends ça sacré avant de venir sacrifier. Dans les définitions, on a dit rendre quelque chose sacré, le sacrifice. Rends la dîme là, rends ça sacré. Retire dans les billets de banque que tu as, retire des billets que tu mets à côté pour dire ces billets là, je les consacre, je les rends sacrés. Je mets ces 2 euros, ces 2 billets de 20 euros là, je les mets à part avant d'aller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ton esprit, il faut que déjà la mise à l'écart de ta dîme soit faite. Il faut que la mise à l'écart de ton sacrifice soit faite. On va lire un verset. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1 à 2. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je suis en train de parler du sacrifice. À partir d'aujourd'hui, là, déjà à partir de là, tu vas comprendre plusieurs erreurs que tu as eu à commettre. Donc, toutes les offrandes que tu as envoyées à l'Éternel, n'ont pas été validés en tant que sacrifice si au préalable, ça n'avait pas été mis à l'écart. Prends ta Bible, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1 au verset 2. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1 au verset 2. Ce sont des préalables qu'il faut avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? 1 Corinthiens chapitre 16, nous lisons verset 1, verset 2. Il est écrit. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Verset 2. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Que chacun de vous, dès le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part. Dis avec moi, mise à part. Que chacun de vous mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mise à part, mise à part, mise à part. Le verset 2. Je peux reprendre la lecture? Ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien? Il dit, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Aujourd'hui est jeudi. Église, tu as culte dimanche. Beaucoup de chrétiens, quand on dit c'est l'heure de l'offrande, c'est là qu'il ouvre son sac, il prend quelque chose à donner. Ton sacrifice n'a pas été validé. Je te parle en tant que surnaturel. Si tu veux, tu écoutes, si tu veux, tu n'écoutes pas. Ce sacrifice que tu viens de faire là n'a pas été validé. Parce que dans le processus du sacrifice, l'un des éléments fondamentaux, c'est rendre quelque chose sacré. Ça veut dire que ce que j'apporte à ma divinité, parce qu'un sacrifice, c'est offrande à une divinité. Donc, tout ce que tu donnes à ton Dieu rentre dans le cadre du sacrifice. Mais il faut que, avant que ce soit validé, que tu sois un bon sacrifiant. Et le bon sacrifiant, c'est celui qui connaît son Dieu. Et le bon sacrifiant, c'est celui qui met d'abord à l'écart. Mais d'abord à part avant de venir donner. Le billet que tu as déposé dans le panier là, est-ce que tu l'avais mis à part ou bien c'est sur place là que tu viens de prendre? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu entends ma voix? Mettre d'abord à part. Donc il a dit que chacun, avant, dès le premier jour de la semaine, mette à part ce qu'il doit donner à son Dieu. Donc, que quelqu'un mette sa dîme à part, ça veut dire qu'avant de venir déposer ta dîme, là, ça doit être quelque part dans ton enveloppe, à part. Ça peut être sur ton compte, il n'y a pas de souci. En ce moment-là, le pouvoir de l'esprit travaille. Je vous ai déjà enseigné ça, nous sommes dans le surnaturel. C'est là que vous allez comprendre les enseignements qui ont précédé. Je dois payer ma dîme, j'ai 50 000 euros sur mon compte, je dois faire un virement de 5 000 euros. Déjà, dans le pouvoir de mon esprit, moi, Herman Kwadjo, je n'ai pas 50 000 euros sur mon compte. J'ai 45 000 euros. Pourquoi? Parce que j'ai déjà mis à part 5 000 euros. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai déjà mis à part 5 000 euros dans mon esprit. Quelqu'un m'a donné, souvent même on m'appelle pour dire je vais t'envoyer 500 euros. Quand on me dit je vais t'envoyer 500 euros là, dans mon esprit j'ai reçu 450 euros. Parce qu'il y a 50 euros qui est déjà parti. Mise à part. Dès que je touche, je mets à part. Vous allez voir que quand tu vas commencer à expérimenter la mise à l'écart, il y aura des fois où tu auras besoin de quelque chose, mais tu ne peux pas toucher l'enveloppe que tu as mis à part. Parce que ça, là,
ce n'est plus pour toi. C'est déjà consacré. En ce moment-là, le surnaturel commence à prendre son effet dans ta vie. Oh my God, est-ce que quelqu'un entend ma voix? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Amen. Les 1000 euros qu'on a mis dans ta main, il y a 100 euros que tu enlèves, tu mets ça à l'écart. Il faut que tu apprennes, que ce soit dans le pouvoir de l'esprit, dans ton esprit, ou bien que ce soit physiquement, que tu apprennes à mettre à l'écart ce que tu vas aller sacrifier. Que ce soit tes offrandes. Retenez que tout ce que tu donnes à ton Dieu, à ta divinité, rentre dans le cadre du sacrifice parce que le sacrifice, c'est offrande à une divinité. Je vous ai dit, on va travailler en même temps sur la définition, en même temps sur les différents points. Donc, offrande à une divinité. À partir d'aujourd'hui, on ne va plus faire, ne va plus jamais faire une offrande sans avoir mis ces billets-là à l'écart. C'est pour ça que vous donnez, vous ne recevez pas. C'est pour ça que vous faites vos sacrifices et puis ça ne marche pas parce que vous ne respectez pas les critères d'un bon sacrifiant. Amen. Si je suis chez moi à la maison et puis je dis je n'ai plus d'argent, dans mon sac, il y a mon enveloppe de dîme qui est là. Mais ce n'est pas pour moi. Même si je dois mourir de faim, je vais mourir de faim parce que ça là, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Quelqu'un pense que je peux utiliser ça et puis je vais remplacer. Oh, c'est la plus grave erreur. Un jour, j'ai demandé au Seigneur, mais si j'utilise et puis je remplace, ça change quoi? C'est la même chose, non? Écoutez-moi bien. J'ai posé la question au Seigneur, mais les billets que j'ai mis à côté, parce qu'il arrive souvent où je veux toucher, mais moi-même, j'ai peur. C'est comme si je n'ai pas droit à ça. Je mets à l'écart ma dîme, ça y est dans mon sac. Donc, quand je m'en vais, puis j'ai besoin de 10 euros, il peut avoir, ce n'est plus pour moi, je ne peux plus toucher ça. Amen. Et puis, je demande au Seigneur, mais si je prends et puis je remplace après, où est la différence? Voici la réponse que Dieu va me donner. Il me dit, imagine que toi, Herman, un sorcier veut te tuer. Un sorcier veut te tuer ou bien quelqu'un veut te faire du mal. Et puis, je dis, bon, prenez Herman et puis je vais le remplacer par un autre être humain. Il y a 9 milliards d'habitants sur la terre. Donc, imagine que Dieu dise, bon, je prends quel nom? Prenez Berthe. Dieu dit, un sorcier dit, je vais tuer Berthe. Et puis, Dieu dit, bon, ok, c'est pas grave. Prends Berthe, je vais prendre Berthe, je vais remplacer par... Il y a 9 milliards, je vais prendre quelqu'un d'autre pour remplacer Bête. Est-ce que ça va te plaire? Imagine que je donne l'autorisation au sorcier de te tuer et puis je vais prendre quelqu'un d'autre pour faire le travail que je veux faire avec toi. Est-ce que tu vas apprécier? J'ai dit à Dieu, ah non, non, non. Il dit oui. De la manière dont tu es mis à part et que je te protège et je te sécurise, je ne veux pas te remplacer par un autre être humain alors que vous êtes nombreux sur la terre de la même manière. Ce que tu vas venir me donner là, mets ça à part. Considère ça comme ça. Oh, ça m'a touché l'esprit. Ça m'a touché l'esprit. Dieu ne peut pas autoriser qu'on te touche. Sinon, Dieu peut te laisser, on te tue et puis il te remplace par un autre être humain. Non, Dieu ne peut pas autoriser qu'on te touche. T'arrivera ce qui arrivera parce que l'Éternel aura prévu, c'est ton temps, ton heure est finie sur la terre parce que Dieu nous a créés comme ça. Donc, l'heure de Herman, quoi, Dieu est arrivé, Herman, quoi, Dieu s'en va. Mais Dieu ne peut pas autoriser qu'on me tue. Pourquoi? Parce que je suis consacré, je suis mis à part. Il veille sur moi en tant que mise à part, alors qu'il y a 9 milliards d'êtres humains sur la terre. De la même manière, apprends à mettre à part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, mise à part. Donc, le verset l'a dit. Que chacun, avant d'aller à la présence de son Dieu, mette à part. C'est ce que tu as mis à part, là, que tu prends pour venir donner. Ce n'est pas n'importe quoi. On ne prend pas. On a dit quoi? Rendre quelque chose sacré dans la définition. Est-ce que tu m'entends? Donc, ton offrande du dimanche, est-ce que c'est déjà à part ou pas? Ton action de grâce que tu vas faire dimanche là, c'est déjà à part ou ça est dans, c'est encore confondu dans tous? Ta dîme là, tu as déjà mis à part ou bien c'est encore mélangé? Quand vous allez commencer à respecter ça, l'enseignement que je donne va changer la vie de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens. Parce que dès qu'on rentre dans offrande là, on est rentré dans le surnaturel malgré toi. Invocation. Mise à part. Le deuxième élément de mise à part, nous allons terminer. Le deuxième élément de mise à part, et puis nous allons terminer, c'est laisser oublier la chose, renoncer à ce que tu as mis à part. Dis avec moi, renoncer. Quand tu finis de mettre à part ce que tu as mis à part, il faut oublier ça. Renoncer à ce que tu as mis à part. Beaucoup de chrétiens ne renoncent pas. Ils ont mis peut-être à part. Il y en a qui ont déjà fini de donner même à Dieu. Et puis son esprit est dessus. Ah, les 50 euros que j'ai donnés là, c'est ça qui dérange mon calcul actuellement.
Tant que tu n'as pas oublié, tant que tu n'as pas renoncé, ça veut dire que c'est encore pour toi. Oh, Église, je dis renonce. Tu es le sacrifiant. Hein? Ce sont les étapes du sacrifiant. En tant que sacrifiant, je suis en train de t'enseigner comment tu dois raisonner avant d'aller. J'ai dit, il faut que tu sois un bon sacrifiant. Mais le comment du bon sacrifiant, c'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. Premier point, il faut connaître ton Dieu. Il faut avoir une relation avec ton Dieu. Deuxième point, sélectionner ton sacrifice avant le jour du sacrifice. Mettre à l'écart, mettre à part ton sacrifice avant. Maintenant, ce que tu as mis à part là, il faut renoncer à ça. Il faut l'oublier. C'est-à-dire, dans ton esprit, c'est déjà parti. Beaucoup de personnes déposent, mais leur esprit est resté connecté sur ce qu'il a donné. Ça ne passe pas. Regardez, dans Genèse chapitre 22, Dieu dit à Abraham, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé Isaac, voici ce que je vais faire pour toi. Mais est-ce que Isaac est mort? Église, est-ce que Isaac est mort? Non. Ce passage-là prend tout son sens dans le surnaturel, là où je suis en train d'expliquer maintenant. Renoncer, ça veut dire, quand Abraham a lié Isaac, il a déposé sur l'autel. Avant même qu'il ne quitte là-bas, il partait tuer Isaac. Donc, depuis que Abraham a quitté la maison, le patriarche, quand il quittait la maison, dans son esprit, son fils est mort. Son fils est mort dans son esprit. Mais il y a des gens... Le montant de la dîme, là, c'est toujours dans leur calcul. Hein. Je vais payer ma facture, je vais faire ceci, je vais faire cela. La dîme, là, est toujours dans son calcul. Ce n'est pas encore mort. Il y a des gens qui ont fini de déposer et puis qui continuent de compter sur ça. Qui dit, ah, les 300 euros, là, c'est ça qui me fatigue. Oh, mince. Si ils n'avaient pas déposé les 300 euros, là, pour faire la dîme, actuellement, là, mes comptes étaient bons. C'est parce que j'ai déposé 300 euros que mes comptes ne sont pas bons. Oublie. Mon cher sacrifiant, Oublie. Renonce à ça, ça ne t'appartient plus. Tu l'as consacré à Dieu, tu l'as sacrifié. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit quoi? On a dit rendre quelque chose sacré. Renonce à ça, oublie. Il y a des gens, si t'ont fait offrande, pasteur, souvent on souffre, hein? Il t'a donné une maison, il t'a donné une voiture, il t'a donné une moto, il t'a donné quelque chose, il est sur ton dos tous les jours jusqu'à toi, mais tu as lui dit, il faut récupérer ta chose. Tu n'es pas un bon sacrifiant. Oublie ton offrande. Ça doit mourir. Tant que ça ne meurt pas, ça ne bouge pas. Alléluia. Donc, dans ton esprit, renonce. Dis avec moi, je renonce. On va lire le dernier verset pour terminer. Jean chapitre 12, le verset 24. Écris avec moi. Jean chapitre 12, verset 24. Je veux que tu sois un bon sacrifiant. La semaine prochaine, on rentre dans le sacrifice. Âme sensible, s'abstenir à partir de la semaine prochaine. Nous sommes en saison 2. Je veux croire qu'il n'y a pas d'âme sensible, mais on va rentrer maintenant dans beaucoup de choses. Jean chapitre 12, verset 24. Il est écrit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si le grain ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, ton offrande que tu as déposée, oh, j'ai fait une offrande de 7000 euros et puis tu continues d'en parler après un an, après deux ans, ce n'est pas encore mort. Ça ne peut pas porter de fruits. J'ai offert telle chose, tu continues d'en parler, mais tu en parles avec regret. Tu peux en parler pour donner des témoignages, pour exhorter d'autres personnes à faire comme toi, il n'y a pas de souci. Mais si dans ton cœur, tu continues de ressentir que, oh, je n'aurais pas dû, ou bien ça, ça ne porte pas de fruits, ce n'est pas encore mort. D'accord? Mettre à part, ensuite renoncer à la chose avant de venir déposer. Donc, l'argent qui est encore dans ta main, les 5000 euros qui sont encore dans ta main, que tu n'as pas encore déposé dimanche là, dès l'instant où tu as mis à part, je dis à quelqu'un, ça ne t'appartient plus. L'offrande que tu as mis dans ton enveloppe, même si on vient te dédier, telle personne est malade, il a besoin de 100 euros, il y a 100 euros dans ton enveloppe, que si tu as décidé que les 100 euros, c'est pour ton offrande du dimanche, ça ne t'appartient plus. Ce n'est pas ça la table pour soigner quelqu'un. Ça ne t'appartient plus.
je parle à quelqu'un, renoncer à la chose. La troisième étape maintenant, c'est venir déposer l'offrande. Donc, quand tu arrives pour déposer, avant même que tu n'arrives, tu es un bon sacrifiant. Ton offrande est déjà validée. Genèse chapitre 22. Donc, Abraham a sélectionné Isaac. Depuis, dans son esprit, Isaac est déjà mort. C'est fini. Il a tué Isaac dans sa tête. Donc, quand il dépose, Dieu dit, c'est bon. J'ai déjà vu ton sacrifice parce que tu ne m'as pas refusé. Il a parlé au passé comme si Isaac était déjà mort. Parce que tu ne me l'as pas refusé. Moi, Dieu, en retour, l'invocation se passe. Dieu descend. L'invocation a marché. Donc, sois un bon sacrifiant. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose de la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un a compris le message de ce soir? Nous sommes dans le sacrifice. Alléluia. Apprends dès maintenant à mettre ton offrande à part. Apprends dès maintenant à mettre ton action de grâce à part. Apprends dès maintenant à mettre ta dîme à part. Apprends dès maintenant à mettre ton offrande volontaire à part. Apprends à renoncer à ça. Quand tu as mis à part et puis ça est dans ton sac là, renonce, ce n'est plus pour toi. Demande à mon épouse, souvent il y a des enveloppes dans mon sac et dans ma poche. Elle m'a appelé, bon, série, on a besoin de temps en temps. J'ai trouvé tel montant dans ta poche, dans la veste. Il a dit, touche pas à ça. Souvent, elle me demande, c'est dîme? Quand je lui dis, oui, c'est dîme, elle me comprend qu'on touche, on ne touche pas à ça. C'est dans ma poche. J'ai laissé des enveloppes là-bas. C'est combien de temps après, elle m'a appelé pour dire, j'étais en train de ranger tes vêtements. J'ai vu tel montant. Il dit, ah, c'était la dîme. Donne. Vous comprenez? On ne touche pas à ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soit sur toi. Je veux croire que à partir de maintenant, tu vas t'atteler à être un bon sacrifiant. Amen, amen. Un bon sacrifiant. Il faut revisionner plusieurs fois cette vidéo pour être un bon sacrifiant. Que l'Éternel te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Alléluia. Nous nous retrouverons par la grâce de Dieu le jeudi prochain. Nous sommes encore dans le sacrifice. Et cette fois-ci, nous allons toucher le sacrifice en lui-même. Amen. Nous venons de finir avec le sacrifiant. Nous passons sur le sacrifice. Que Dieu te bénisse. Je veux voir que cette parole t'a fait du bien. Je suis révérend prophète Herman Kwadio, aiguisé pour dominer. Shalom. Que Dieu te bénisse.